Ouais, c'est très difficile à expliquer le match de ce soir, parce que on est mené 3-0 au bout de 30 minutes, on revient à 3-3. On a l'impression qu'on peut gagner le match avec franchement sans manquer de respect à l'adversaire avec 5-6 buts d'écart et au final on perd le match. On est dans une période difficile, ça c'est une certitude. La réussite nous fuit un peu en ce moment, à l'image du match de ce soir où voilà, je pense qu'avec un peu plus de réussite, on aurait mérité de l'emporter, mais il faut qu'on se serre les coudes et il faut qu'on reste unis dans ce moment difficile. On prend 4 buts sur 4 situations pour l'adversaire, donc il faut de l'attaquant au gardien, il faut être plus concentré. Ouais, de la colère, de la frustration, beaucoup de frustration, parce que vu du match, comme j'ai dit au début, je pense que si on gagne ce match par 4-5 buts d'écart, il n'y a pas de discussion, quoi. Ouais, c'est très difficile. Je pense qu'on est dans une mauvaise période. Ce qui faisait notre force au début de saison, le fait de bien défendre, on l'a plus aujourd'hui. Donc voilà, il faut vite la retrouver. Ouais, pas manque de fraîcheur parce que le coach a fait tourner. Je pense que on a tous les jambes. On a quand même montré qu'on était capable de se créer des occasions. Voilà, je pense qu'on s'est jamais créé autant d'occasions cette saison. Après, c'est clair que quand on se découvre comme ça, il faut savoir garder un équilibre et ça passe par la concentration et malheureusement, on ne l'a pas. Ouais, c'est pour ça que quand on avait une bonne période, je disais toujours que lorsque la difficulté allait arriver, il fallait la surmonter. Voilà, maintenant on est dedans. Je tiens quand même à remercier les supporters qui ont été encore une fois énormes. Si on a quand même pu remonter. En deuxième période, c'est aussi grâce à eux. Donc voilà, je les remercie. À nous maintenant de sortir de cette passe qui est difficile, mais on aura besoin de tout le monde et voilà, on lâchera pas. Deux déplacements qui vont être super compliqués. Maintenant, je pense que c'est à travers des matchs comme ça aussi qu'il va falloir retrouver le goût de la victoire et puis voilà cette sensation de gagner les matchs, ça fait toujours. Ça fait toujours chier quand on ne l'a plus et il va falloir retrouver ça. C'est tous ces éléments qui font notre force et qui feront notre force jusqu'à la fin de saison.